mais dans les coulisses là, dans les backstage du Salon du Chocolat, et on va aller voir Camille Lou. Camille Lou, vous rigolez? Vous êtes pris en flag. Je passe mon temps à rire. Voilà. Il faut rire dans la vie, je pense qu'il faut s'amuser. C'est vrai. Bon, comment ça s'est passé ce défilé du salon? Ça s'est très bien passé, j'espère. Les gens se sont amusés, nous on s'est amusés. C'est pour une belle cause. On va sauver des enfants. On nous a dit qu'avec les dons, on avait réussi déjà à sauver 2 enfants. J'espère qu'il y en aura peut-être un troisième. On ne sait jamais, mais on espère. On croise les doigts. On croise les doigts. Bon, votre robe? Ah, la robe, très belle. J'étais très fière de cette robe, très jolie. Un beau corset, très moderne. J'ai beaucoup aimé. Bon, le chocolat préféré de Camille Lou? Géant du Jas. Géant du Jas. D'accord. C'est quoi? Faut goûter, c'est un chocolat. C'est un chocolat qui a un peu un goût praliné, un peu caramel. Enfin, je sais pas, il faut le goûter pour le que il est très 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 bon. Je le conseille à tout le monde. D'accord. On est sous le charme. Que représente pour vous le chocolat? Le chocolat, ça représente beaucoup de choses. Ça représente mon adolescence, ça représente mes mon cœur brisé quand j'étais ado. Non. Si, le chocolat, bien sûr. Les cœurs brisés, bah oui. On a tous fait ça, la glace, le chocolat, voilà, quand on ne va pas bien, pour le moral. C'est connu. Rassurez-nous, ça va mieux maintenant? Ah oui, maintenant ça va très bien. C'est pour ça que j'en mangeais plus d'ailleurs, mais là... Ça m'a redonné envie quand même. Oh, mais il est partout celui-là. Je te fais un bisou, Malou. Si tu vois qu'il en a marre de sa VR, n'hésite pas. Parce que personne je suis preneur. Compris, ouais, bon. Ouais. Allez. Bisous. À plus tard. Ciao. Ah ouais. En plus, c'est partout celui-là. Mais c'est bien. Mais il faut. Il a raison. Cœur. Le cœur brisé. Mais ça va très bien aujourd'hui. Et là... Mais je reprends le. C'est plutôt pour les cœurs en bonne santé, pour les cœurs pleins d'amour, pour les cœurs. Voilà, c'est maintenant c'est plus ça. Alors on dit que c'est un anti-stress, surtout le noir. Ah bah j'en vais avoir beaucoup besoin alors. Moi qui suis une grande stressée, j'en ai beaucoup besoin. Mais le noir, j'étais pas fan, mais je commence à aimer ça plus qu'avant. Je pense qu'en grandissant, les goûts changent. Bon, l'actualité de Camille Lou? L'actualité, bah, 2 séries, une série sur TF1 début d'année prochaine, une série sur France 2 fin d'année prochaine et un album actuellement. Ouais, alors l'album, bah, quel goût il a? Quel goût il a le, bah, un bon goût de chocolat Géant du Jas. Non, c'est un album qui est vintage, un album qui est peps, frais, où on s'habille. Comme on vous connaît? Comme on me connaît, ouais. Et bientôt un album d'inédit. Je continue de m'amuser en attendant que mon album d'inédit soit prêt, donc c'est génial. J'ai pas à me plaindre. Bon, en tout cas, Camille, merci beaucoup. Restez comme vous êtes. Hein. Vous avez toujours le sourire. Bah, merci à vous. Merci. Il faut, non, dans la vie aujourd'hui, enfin, avec tout ce qui se passe, soyons souriants et essayons de rester heureux dans ce monde de fous. Voilà. Merci en tout cas, Camille. Merci. Au revoir. Ah, c'est ça.